On se retrouve pour la présentation d'un livre, un petit livre qui fait partie de la collection des livres apprentis sorcières. C'est le petit dernier qui est sorti. Il s'agit du pouvoir et rituel du chaman euh, que j'ai reçu des éditions Larousse Pratique pour le partager avec vous. Et il a été écrit par Laetitia Redel. Voilà. Donc bah, vous savez que j'aime beaucoup ces petits livres hein, de cette collection. Je vous en ai déjà présenté quelques-uns d'ailleurs. Voilà. Ici on a du doré. C'est très joli. Et euh, voilà, en plus, ils ont un petit prix, ces livres. Hein. Ils sont pris de 9,95 euros. Donc voilà, ils sont super beaux, illustrés euh, et toujours très intéressants, je trouve. Voilà, on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Ressentez l'harmonie en vous et autour de vous grâce au chamanisme celtique. Découvrez dans ce guide comment vous initier au chamanisme celtique et à la sagesse des arbres. Vous apprendrez que le être est l'arbre des mystères qui nous met en lien avec ce qui demande à être révélé et que le sapin nous aide à prendre des décisions éclairées. Tout au long de votre exploration, en suivant plusieurs étapes comme la roue de l'année, la voie symbolique des ogames ou les treize lunes des arbres, des rituels et des méditations vous sont proposés vous saurez mieux vous enraciner dans l'instant présent, vous libérer de vos blocages, faire le tri avec le passé et vous relier à votre intuition. Voilà. Donc comme je disais, il est au prix de 9,95 euros. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien vers Amazon si vous avez envie de passer pour mon par mon lien plutôt. Et sinon, il est disponible partout. Voilà, on est accompagné du coucou <laughs> et on va le regarder ensemble. Bon déjà, euh, comme à chaque fois, ils sont toujours très, très joliment illustrés. Donc on a le sommaire avec l'introduction, puis on va parler du monde chamanique druidique, l'origine du, du cosmos selon les Celtes, la roue de l'année, et puis on a toute une liste d'arbres ici, la quête d'une harmonie, le symbolisme des arbres, et puis les cycles des lunes et des arbres de naissance. Voilà, et puis une conclusion. Donc on a une introduction, je vais le mettre à plat. Peut-être juste je vous mettre un tout petit peu, voilà, comme ça vous verrez mieux aussi. Et ce sera plus facile euh, pour moi. Voilà, parce que si je, si je le tiens en main, je vais à chaque fois mettre ma main sur l'illustration et vous ne verrez rien. Donc on a l'introduction ici, puis on a le monde chamanique druidique. Ce serait très beau. Hein. Voilà, alors les principes et philosophies druidiques, des méditations euh, de rencontre avec notre druide intérieur, les trois rayons d'exploration druidique. Euh, le druide, un chaman européen ou celtique. On va parler du tambour aussi. Les pouvoirs des mots. L'effet miroir. Enfin, il y a plein de choses. Créer un espace sacré avec créer son hôtel. Comment le créer L'art de la fumigation avec tout ce qui est bâton de sauge ensemble. La sylvothérapie, un outil d'exploration druidique. Méditation, bain de forêt par exemple. Ban de forêt en chemin vers la paix. L'importance des sens. Oh, c'est joli, ça. Petit écureuil, la voix des arbres, du coup. Commencez votre exploration. Puis, on a l'origine du cosmos selon les celtes. J'ai passé une page Non. Avec l'axe du monde. Découvrir le monde d'en bas. Rencontrer son animal de pouvoir. Comment communiquer avec lui aussi. Voilà, découvrir le monde d'en haut. Rencontrer ses guides, sa conscience supérieure, la voix du cœur. Et puis on passe à la partie avec la roue de l'année, où on va avoir marché euh, la roue de médecine Gaia euh, Therapia. Voilà, ici on vous explique ce que c'est et elle est ici. Voilà, jamais entendu. Découvrir le monde du milieu, la magie des minéraux, communiquer avec une pierre, la magie des végétaux, communiquer avec un arbre, communiquer avec les animaux. Et elle vous donne la marche à suivre, communiquer avec le règne humain. Puis on a le temple des femmes. Et puis après on passe aux, aux arbres, ici par exemple le chêne, avec à chaque fois un petit mot et alors un petit rituel. Voilà. Bon, je ne vais pas tous vous les montrer. Hein. Le, on a ici les éléments aussi, le feu, la terre, etc. Le sol, le sapin, l'eau. On a aussi les sabbats, hein, comme ici, si Sawin, Mabon. Et ensuite, on passe à la quête de l'harmonie, d'une harmonie. Avec incarner votre identité, les tempéraments hippocratiques. Voilà, le sanguin, le biloué, ça c'est, euh, je connais. Rééquilibrer son, tempér son tempérament nerveux, par exemple, avec un rituel. Et s'il y a plusieurs euh, sortes de rééquilibrage proposés. Hein. Voilà, rééquilibrer euh, son tempérament lymphatique, ça c'est en fonction euh, euh, de, du tempérament que vous avez, évidemment. Puis le symbolisme des arbres, voilà, ici on va parler évidemment des OAM, des OAM plutôt, avec ses origines, etc. Voilà, cheminer avec les ogames. comment les tirer, il y a des tirages proposés, comment ici rencontrer euh, les OAM, voilà. Et on vous donne à chaque fois hein, euh, le nom, son nom, le nom de l'arbre, la sagesse, l'arbre masculin et de feu, l'arbre féminin et d'eau, l'arbre des morts et signification du tirage. Ouais, bon, ça, c'est pour tout, ça, du coup. Voilà. Et puis, on a les cycles des lunes et les arbres de naissance. Les 13 lunes des arbres. Ah, et puis on va parler des phases de la lune, voilà rituel de pleine lune. Si c'est une lune en boulot par exemple, bon ça c'est euh, par exemple lune d'aulne. ce sera nouvelle lune du mois de mars. Écrit à côté ce que c'est, la lune du lierre, ce sera la nouvelle lune de septembre. Voilà. Puis on a l'arbre de naissance pour connaître votre arbre de naissance. Voilà. Du coup, euh, je regarde. Hein. Le mien, ce sera le tilleul, du coup. Et on vous donne le type de, de personnalité. Donc, pour moi, par exemple, ce sera rêveur, messager, bon communicant, perfectionniste, hypersensible et dévotion. Ouais, ben, bah, euh, c'est pas faux. Hein. J'ai envie de dire, c'est même très juste. Ici, on a encore un rituel. Voilà, une conclusion. Ma rencontre avec les arbres, donc ça c'est un mot de la enfin de l'autrice plutôt. Leur rencontre avec les arbres ont changé leur vie, des petits témoignages, voilà. Et voilà. Euh, moi, je le trouve hyper riche, hyper intéressant, vraiment, euh, pour découvrir justement euh, bah, le chamanisme celtique. Euh, pour, pour les Ogam, euh, il y a plein de, de rituels, de méditations. Euh, et pour 9,95€, j'ai envie de dire qu'il faut franchement pas se priver. Il est vraiment très, très, très chouette. Je suis désolée, le doré avec ma lampe. Voilà, mais du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous aussi vous aimez euh, les petits livres de cette collection, si vous en avez, si vous avez craqué pour celui-ci, si vous le trouvez intéressant, dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour nos prochaines vidéos. Bisous bisous